Lorsque vous recrutez, lorsque vous doutez de la continuité d'une collaboration avec un collaborateur, est-ce que vous devez choisir entre les compétences métiers ou l'engagement, l'adhésion aux valeurs que cette personne a? Je vais y répondre maintenant. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pouvoir gagner en sérénité, être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à deux chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, j'ai entendu cette question lors d'un mastermind dans lequel j'étais participante, où une personne a demandé, dites, je dois faire quoi avec ma collaboratrice? Elle adhère, mais super bien aux valeurs, elle est partie, elle adhère complètement à la mission de mon entreprise, elle est totalement engagée. L'embêtant au niveau de ses compétences métiers, ça ne va pas, elle me fait beaucoup trop d'erreurs. Et donc, elle a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la garder parce qu'elle est super engagée, même si elle fait des erreurs? Ou est-ce que je dois la licencier parce qu'elle n'a pas ses compétences métiers et que je devrais plutôt engager quelqu'un qui a plutôt des compétences métiers, mais pas trop super engagée comme elle l'est? Est-ce qu'on doit choisir finalement? Là, c'est vraiment toute la question. Parce que il y a plusieurs choses à savoir derrière ça. La question, donc, elle voulait une réponse directement sans comprendre finalement le mécanisme qui se cache derrière. Et là, je vais vous le donner, ce mécanisme. Qu'est-ce qui se passe derrière l'engagement et les compétences métiers? Donc, c'est deux types de compétences qui sont complémentaires. L'engagement, c'est des compétences comportementales. Les compétences métiers, c'est du savoir-faire, c'est des compétences techniques. L'un et l'autre, comment ça se passe? Je vais plutôt démarrer par ça. La première chose, c'est que les compétences métiers, c'est quelque chose qui peut s'acquérir assez facilement. Ça dépend naturellement toujours la zone de génie de la personne. C'est où se trouve sa zone de génie? Où est-ce qu'elle va s'épanouir? Par exemple, moi, j'ai une assistante. Elle est mais super douée pour tout ce qui est communication avec les clients. Elle sait mettre de l'humour, elle sait mettre de la personnalisation, etc. Et pourtant, c'est une assistante. Donc, à la base, c'est quelqu'un qui fait tout ce qui est admin, facture, rapport, traduction, etc., etc. Pourtant, je sens vraiment cette zone de génie-là. Donc, déjà ça. L'autre côté, les compétences comportementales, ce sont des compétences qui sont très difficiles à développer. Pourquoi? Parce que quand on a pris des habitudes au niveau de ces comportements, parce que c'est lié à nos croyances, c'est lié à toute notre éducation, c'est lié à notre culture que l'on a reçue, etc., etc. Ce qui fait que c'est vachement ancré à l'intérieur et que pour aller bosser ça, il faut au minimum un an pour pouvoir faire changer, pour pouvoir faire évoluer une compétence comportementale quand on la travaille tout le temps. Donc ici, l'un et l'autre, finalement, ben, que choisir? Alors je vais vous proposer trois questions. Donc c'est vraiment, on va faire un triptyque. Pourquoi? Parce que ce triptyque, c'est à quel résultat est-ce que je veux avoir par rapport à la personne, puisqu'on engage une personne pour qu'elle nous livre des choses et qu'elle nous coûte soit la même chose que ce qu'elle nous livre, soit alors qu'elle nous coûte moins que ce qu'elle livre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc à quel résultat est-ce que je veux, à quel livrable est-ce qu'elle doit livrer, quel niveau de performance est-ce que je veux. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est dans quel délai est-ce que je veux ça? Dans quel délai est-ce que je veux ça? Et dans quel délai est-ce que je m'imagine qu'elle pourrait arriver à cette performance-là? Et la troisième chose, c'est le coût. Quel est le coût que ça va me demander? Alors, on pense souvent à un coût en euros, mais ça peut être également un coût en temps, un coût en formation, un coût en erreur. Tout ça va rentrer en ligne de compte, et là, alors, quand vous aurez répondu à ça, vous saurez si vous voulez faire l'investissement et quel investissement vous voulez faire. Donc, l'investissement, ça va être toujours le résultat, le coût, le délai. Et je dois en parler à l'autre personne pour qu'on puisse convenir d'un accord, qu'on puisse se serrer la main et qu'on ait un engagement mutuel pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc ce n'est pas si simple finalement de se dire je dois choisir entre l'un et l'autre parce qu'il est possible d'arriver à ses compétences métiers
La chose, c'est qu'est-ce que je veux encore investir dans cette relation, dans cette... c'est pas vraiment dans la personne, mais dans les compétences de la personne. Ça, il n'y a que vous qui pouvez décider. Aucun tableau Excel ne pourra répondre à votre place. Vous avez la réponse en vous. Et c'est ça qui est souvent finalement difficile, c'est qu'on se dit, oui, mais enfin, c'est moi qui dois prendre la décision. Oui. Et non, parce que vous allez pouvoir avoir une aide à la décision. Alors, je vais regarder si je veux encore vous dire autre chose. Non, c'est vraiment ça que je voulais vous apporter dans cette vidéo pour pouvoir vous aider entre je fais quoi, je dois choisir entre quoi et quoi. Eh bien, on va aller sur la ligne du milieu parce que on va prendre plutôt un arbre de décision. On va s'aider avec un questionnement pour pouvoir à un moment donné, chou, paraît tellement évident. Je vais faire ça, je vais encore tenter ce truc-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. J'espère que vous y trouverez une aide pour pouvoir être beaucoup plus relax, beaucoup plus zen, beaucoup plus serein dans vos prises de décision par rapport à vos collaborateurs. Bon, vous vous abonnez absolument à cette chaîne parce qu'on est à la vidéo numéro 92 d'un défi qui va comporter 365 jours. Donc, si vous voulez vraiment évoluer vers votre équipe autonome, abonnez-vous. Vous pouvez également me faire un commentaire ici en dessous pour me dire quelle est la question qui va vraiment vous aider, quel est le déclic que vous avez eu en regardant cette vidéo. Vous pouvez passer dans la description le test Mon style de management parce que ça va vraiment vous aider à pouvoir mettre des mots sur vos forces et de vous dire oui, c'est ça aussi que je dois travailler dès maintenant. Et la dernière chose, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui aura besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et ce sera cette personne-là pour vous. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.